Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et je vous demande, avez-vous les blues ces jours-ci? Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Pour être honnête avec vous, je manque un peu d'énergie en cette fin de janvier 2022. Ne soyez sans crainte, je ne souffre pas de dépression. J'aimerais plutôt décrire mon humeur comme un gros bof. Par exemple, je suis un junkie de politique américaine depuis aussi longtemps que je me souvienne, mais j'ai arrêté de suivre les podcasts que j'écoutais religieusement parce que je trouve que la situation est trop déprimante. Les deux dernières semaines m'ont rentré dedans en raison des très grands froids que nous avons connus ici. J'ai souffert d'asthme assez sévère dans mon enfance et même si la situation est beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui, ces températures causent quelques difficultés respiratoires. J'ai aussi des messages qui s'accumulent dans ma boîte de courriel et j'ai de la difficulté à trouver la motivation pour y répondre. Bref, la motivation n'est pas au rendez-vous. Un gros bof. L'autre jour, mon fils m'a demandé pourquoi les humains n'hibernaient pas comme d'autres mammifères. Je dois avouer que l'idée de passer les mois de janvier ou février au lit ont un certain attrait. Mais je me suis ressaisi parce qu'il y a plein de bonnes et de belles choses qui se déroulent dans ma vie présentement. Nous sommes sur le point de créer notre premier conseil pour l'Église Sainte-Claire. C'est une étape importante dans la vie et la croissance de notre communauté de foi. D'ailleurs, nous sommes encore à la recherche de quelques personnes qui voudraient être volontaires pour cette tâche qui n'est pas trop compliquée. N'hésitez pas à me contacter. Vous savez sûrement que j'essaie de rejoindre les gens sur plein d'autres plateformes, sur les médias sociaux. Eh bien, au cours des 28 derniers jours, j'ai 132 nouveaux abonnés sur TikTok et j'ai rien changé. Je fais pas des danses stupides. Je parle de Jésus et de la Bible. J'ai aussi, sur YouTube, j'ai constaté que les vidéos ont été vues, encore en 28 jours, 4000 fois pour 41 heures d'écoute. Il y a un projet de plus qui me tient particulièrement à cœur, qui est sur le point de se concrétiser après plusieurs mois de péripéties. Je ne veux pas trop en parler pour l'instant. On dirait que je suis un peu superstitieux, là. Et je dois avouer que je suis une personne privilégiée parce que nous avons toujours deux revenus qui rentrent malgré les nombreuses fermetures liées aux variants Omicron. Plusieurs personnes parlent de fatigue physique, d'épuisement professionnel, de problèmes de santé mentale. Il y a aussi ces blues, ce spleen, associé au deuxième anniversaire de la pandémie. Malgré toutes les choses positives des derniers mois, par exemple, la communauté de Sainte-Claire n'aurait probablement jamais existé si ce n'était pas de la pandémie.
plusieurs d'entre nous sont fatigués mentalement et émotionnellement. Et peut-être mon cerveau me lance simplement un message de ralentir un peu, de me protéger, d'arrêter de rechercher la performance à tout prix. Peut-être que le but, c'est de se donner un peu de temps, un peu de bonheur, en attendant que le printemps arrive, le retour du soleil, le retour de la chaleur, le retour d'une nouvelle vie. C'est ça que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Faites attention à vous. Soyez bon, soyez indulgent. Et si vous avez besoin de quelques temps pour respirer, la Terre n'arrêtera pas de tourner si vous le prenez. Alors, faites attention. Et à très bientôt, j'espère. Bye!